de la défense du Nigeria, monsieur le commissaire en charge de l'énergie et des mines, Placéo Dao, mesdames et messieurs les représentants des ministres en charge de l'énergie du Bénin, du Togo et du Burkina Faso, mesdames et messieurs les représentants des ministres en charge de la défense et de la sécurité publique des pays concernés par les projets ici présents, madame la représentante de la CEDEAO au Niger, monsieur le président du conseil exécutif de l'OA, monsieur le secrétaire général de l'OA, mesdames et messieurs les secrétaires généraux des ministères, messieurs les directeurs généraux et centraux de l'administration, messieurs les directeurs généraux des sociétés nationales d'électricité, distingués membres du comité ministériel conjoint de pilotage, distingués invités. Je voudrais, avant tout propos, vous souhaiter la bienvenue au Niger et vous adresser les salutations des plus hautes autorités de notre pays et mes sincères remerciements à tous ceux qui ont fait le déplacement de Niamey pour honorer de leur présence cette deuxième réunion du comité ministériel conjoint de pilotage du projet dorsal nord de l'EA. Aussi, permettez-moi de saluer au passage mes homologues ministres en charge de l'énergie des pays concernés par le projet, qui, lors de la première réunion du comité de pilotage, ont porté leur choix sur le Niger, abrité la cérémonie de lancement des travaux qui aura lieu demain, 22 février 2022, sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je salue par la même occasion la présence parmi nous du commissaire chargé de l'énergie et mines de la CEDEAO. Monsieur le commissaire, votre présence effective témoigne encore une fois de l'intérêt et du soutien sans cesse croissant que vous apportez au Niger et aux pays membres de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, chers participants, chers invités, piloté depuis 2019 par le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, grâce à la collaboration entre les gouvernements du Nigeria, du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso, le projet dorsal nord qui nous réunit aujourd'hui constitue un modèle d'intégration régionale réussie. Sa réalisation a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et l'Union européenne, que je tiens à remercier. Je saisis cette occasion pour leur exprimer, à travers leurs représentants ici présents, toute ma satisfaction et celle de mes homologues ministres en charge de l'énergie des pays concernés, pour avoir accepté les demandes de dérogation de signer les contrats de travaux avant les contrats d'achat d'énergie et de services de transport formulés par nos États. Et ce, conformément à la résolution de la première réunion du comité ministériel conjoint de pilotage tenue le 10 juin 2021 à Abuja, Nigeria. Cette dérogation a permis à l'unité de gestion du projet de signer les contrats avec les entreprises retenues et d'organiser la cérémonie de lancement des travaux qui aura lieu demain, mardi 22 février, et d'avancer dans la mise en œuvre du projet. Mesdames et messieurs, chers participants, la réunion d'aujourd'hui est l'occasion de faire le point sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du projet et de formuler de nouvelles recommandations pour la conduite des activités à mener en vue d'atteindre les résultats escomptés dans des délais raisonnables. Il s'agit notamment de consolider ces acquis par des actions continues et de mettre en œuvre des stratégies intégrées en matière de sécurité pour la création d'un environnement de paix. Plus spécifiquement, il s'agira d'obtenir un engagement concret des ministres en charge de la défense pour assurer la sécurité dans la zone d'exécution du projet dorsal nord. La sécurité sera une condition sine qua non pour la réussite de ce projet.
Mesdames et messieurs, chers participants, pour atteindre cet objectif, il est crucial que les autorités compétentes de chaque pays collaborent avec leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux pour assurer la sécurité des personnes vulnérables, au sein des zones d'intervention. Je suis convaincu que cette réunion de la ministre chargée des défenses et des conseils marquera le début d'un partenariat encore plus étroit entre nos autorités respectives. Mesdames et messieurs, je voudrais enfin saisir cette opportunité pour féliciter nos gouvernements et nos ministères respectifs.